L'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, n'a pas enfreint les règles en décidant de rejoindre la banque Goldman Sachs. C'est la conclusion du rapport du comité d'éthique de la Commission. Mais le document épingle tout de même le choix de l'ancien responsable. Monsieur Barroso n'a pas fait preuve du bon jugement que l'on pourrait attendre de quelqu'un qui a occupé un poste à haute responsabilité pendant de si longues années. José Manuel Barroso a accepté pendant l'été de rejoindre Goldman Sachs et respecte donc les règles du code de conduite de l'institution qui établit une période de carence de 18 mois avant de rejoindre une entreprise privée. Mais l'établissement bancaire américain est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la crise financière de 2008 ainsi que celle de la dette grecque. Face à la levée de boucliers provoquée par cette embauche, l'actuel président de l'institution a finalement décidé au mois de septembre de saisir le comité d'éthique.